Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter mes looks du week-end dernier en Osiris. Donc évidemment, comme d'habitude, par manque de temps, j'ai pas eu le temps de le faire avec tous mes personnages. Je l'ai fait en revanche avec le Titan et l'Arcaniste et je suis allée au phare une fois avec l'Arcaniste. En revanche, j'ai quand même eu des looks assez sympas, donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu tout ça. C'est parti, on commence avec le Titan. À la fin d'une game, j'ai obtenu les Grèves du Soleil ailé en 306. J'ai également obtenu un fanion, alors j'en ai même obtenu plusieurs, donc celui-ci est en 303. Mais si je vous montre juste après, vous allez voir que j'en ai obtenu plusieurs. Grève du Soleil obscurcie également en 263. Et donc voici les fanions 303, 307 et 314 que j'avais déjà. Donc j'en ai obtenu deux pour ce week-end. En ouvrant les contrats, j'ai obtenu le souffle du dragon en 310 que j'avais déjà. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un exotique dans un contrat. On a ce petit sentiment de satisfaction et je vais pouvoir l'infuser. Idem en palier, j'ai obtenu le tamarin, donc je l'ai obtenu deux fois si je me trompe pas pendant ce week-end. Donc cette fois-ci c'était en 303 sur le titan. Donc je trouve que c'est un très joli lance-roquette avec un design d'Osiris que j'aime énormément. Du coup je vais pouvoir passer à l'arcaniste et vous montrer un petit peu les loots de l'arca. Donc on commence avec le fusil à pompe, c'est ma petite fierté du week-end, aube double que j'ai monté en 320. Fait ma foi très très mal, mais qui je trouve est très long au rechargement, c'est plutôt dommage. Le tamarin, donc le deuxième comme je vous le disais, cette fois-ci en 307. Donc j'ai obtenu le plastron du regard obscurci en 300, je le trouve juste magnifique, je trouve qu'il a un très très beau design. Et enfin j'ai obtenu un brassard, donc le brassard de la lumière sublime en 310. Alors je l'ai eu deux fois je crois au cours du week-end, mais j'ai délaissé l'autre forcément. Donc celui-ci je me suis dit que j'allais le garder en 310. Et donc le petit phare du week-end je l'ai fait avec l'arcaniste et j'ai obtenu menottes du non-être et la doctrine du passage en expert. Donc les menottes en 310, donc j'étais plutôt contente parce que c'est l'un des exos qui me manquaient pour l'arcaniste. Et en revanche, doctrine du passage, alors moi personnellement je trouve vraiment que son impact est très très faible, mais j'en entends énormément parler, beaucoup de gens me disent qu'il est vraiment surpuissant en PVP, donc bah du coup j'ai vraiment hâte de le tester. Voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu à Osiris ce week-end, si vous avez fait le phare, quels ont été vos loots, etc. etc. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous souhaite bon courage pour la semaine et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!